Pierre, c'est le moment. C'est pour le all shot. Qui va réussir à s'envoler le premier de la première ligne? Ouais, mauvais départ de Sylvain Dallaire. Allez, Vivien Gonnet, ça va virer en tête. C'est Gonnet, c'est Gonnet. Ou Colomban, c'est Gonnet normalement. Ou Colomban, s'il fait comme il faut. C'est Colomban devant Gonnet. Et j'ai l'impression que c'est Marc Germain qui est revenu de la deuxième ligne. Colomban, Gonnet. Il me semble que c'est Germain. Marc Germain. Troisième, quatrième, Maxime Emery. Très mauvais départ de Sylvain Dabert. Alors, c'est Sylvain Dabert qui avait survolé les essais. T'as eu le troisième. Enfin, j'ai l'impression quatrième. Ah non, il est non, c'est pas lui le jaune. Il est plus loin que ça. Alors, pour allez, l'instant, Vivien Gonnet, là, il faut que ça passe tout de suite sur le copain de Serge Chevalier. Julien Colomban. Non, ça ah ouais, mais on voit que ça glisse, hein, là. Vernal de Vivien Gonnet, là, ça glisse. Mais il faut se dépêcher parce que les muscles vont travailler. Et Julien Colomban. Il y a 6 tours, hein. Ah ouais. C'est que là, ça va vite passer. C'est pas long. C'est pas long. Julien Colomban l'a bien compris. Il a dit que le départ serait primordial tout à l'heure. Et il est en tête, Julien Colomban, l'homme de Briançon. Allez, voilà. Troisième, Maxime Emery. Quatrième, Marc Germain. Et cinquième, Sylvain Dabert. Eh bien, c'est bien vu. Marc Germain, cinquième Dabert, sixième Dubert. Ouais, sixième. Génial. Gioffre, ensuite septième, Kevin Mali, Joan Manchang, Bransi, Martinez, Pidou, voilà. Ferresson, Desmarines, Nicolas Fauterreur. Voilà donc pour l'instant, mais devant. Ouais. Ça amuse pas le terrain, je peux vous dire. Qu'entre Julien Colomban et Vivien Gonnet, ça va très Julien Vivien Gonnet qui va faire passer à l'intérieur. Oh, ça va. Non, ça passera pas. Ça va pas passer. Là, c'est compliqué ici à l'épingle du lycée, il n'y a qu'une trajectoire. Hein, donc, allez, faut pas s'écarter. Il va passer. Non, il n'y arrive pas. Julien, il est chaud à doubler. Hein. Ah oui, mais c'est menaçant derrière. Ah bah j'ai bien fait de lui mettre la pression, hein, Julien, c'est bien. Toi, ça marche. Il n'y a que 6 tours, vous le voyez, on va déjà arriver à mi-course. Attention, Vivien à l'intérieur. Non, ça ne va pas passer. Non, ça passera pas. Et Sylvain, il est 4-1, 4 rues. Allez, ça remonte sur Maxime Emery. Là, je peux vous dire que la Sherco devant Luc Suverna, c'est une belle bagarre. Elle donne tout. Hein. Ah oui, la Sherco, la moto française. Ouais, pourtant, les trajectoires de Vivien, là, magnifique, c'est splendide. Hein. Ah mais ouais. Pour l'instant, ça ne peut pas passer. Et toujours Julien Colomban devant Guilien Gonnet. Maxime Emery, il est passé. Non, peut-être non, pas. Non, toujours pas. Ouais, ça passe. Ça y est, c'est bon. Ah, ça va passer. Allez. Ça va passer. Et non. Et non, à l'extérieur. Là, Julien c'est bon. Colomban, là. Gelonon, ils sont tous les deux. Le freinage avec à l'intérieur Vivien Gonnet. Vivien Gonnet à l'intérieur qui doit prendre la tête. Est-ce qu'il va décroiser Julien Colomban? Je ne crois pas. Non. Il est passé. Vivien Gonnet en tête. Julien Colomban qui n'a pas pu décroiser. Génial. Est-ce qu'il est parti pour tout gagner ce soir? Vivien Gonnet en voiture et en moto. Ça serait fantastique. C'est sa journée. Ça serait génial. Vivien Gonnet, il est en tête. Celui qui est en tête largement d'ailleurs de cette AMB Cup depuis le week-end dernier est en train de s'échapper maintenant puisque il a 9 dixièmes, pratiquement une seconde d'avance sur Julien Colomban, vous le voyez. Ouais. Ensuite, on a Maxime Emery, on a Dabert, on a Germain, Duvert, Gioffre, Malige et Bransi. Bransi et Wang Chang. Eh, super Maxime Emery, hein, parce que je peux dire, pour contenir Sylvain Dabert, regarde là-bas dans la parabolique. Exceptionnel. Oh, Sylvain Dabert, il prend tous les risques, Sylvain Dabert. Oh, magnifique, on l'a retrouvé. Le passage de Sylvain Dabert, la terrible attention au freinage, là. Maxime Emery, il est toujours devant Dabert à l'extérieur. Dabert qui prend tous les risques à l'extérieur, est-ce qu'il va pouvoir passer? Ah bah avant de passer Maxime Emery, il va falloir qu'il en mette. C'est beau. Hein. Vivien Gonnet est en train de s'échapper un petit peu. Ça Julien klaxonne, Colomban n'a pas lâché l'affaire. Ouais, mais c'est bien. Les deux de Serge Chevalier sont devant. Ah, ça c'est sûr. Et derrière, regardez la bagarre. Oh là là, le freinage là-bas, attention. Maxime Emery. Sylvain Dabert à l'extérieur. Il freine 10 mètres plus tard. Ah, et il va passer. Oh, magnifique Sylvain. Il est passé, Sylvain Dabert. Non, peut-être pas. Si, il est passé. Sylvain Dabert est passé. Oh, magnifique. Hein. Et Sylvain Dabert se lance à la poursuite de Julien Colomban, mais il y a plus d'une seconde et demie. Et puis il reste qu'un tour. Hein. Ça va être compliqué. C'est du rapide. Oh, hein. Puis ça glisse là-bas dans la parabolique, beaucoup plus que lors des essais tout à l'heure. Allez, Vivien Gonnet. Et Vivien Gonnet est en train de continuer son cavalier seul en tête de cette finale, toujours avec une seconde d'avance sur Julien Colomban. Maxime Emery est un petit peu plus loin en bagarre avec Sylvain Dabert. Allez, Sylvain Dabert est passé maintenant. On va attaquer le dernier tour. Voilà, des revoilas tous les deux. Allez Vivien, Julien. Vivien, on dirait qu'il est tranquille. Julien à l'attaque et derrière, regardez Sylvain Dabert qui n'arrive pas magnifique. Trop à se défaire de Maxime Emery. Et puis, tout de suite derrière, on retrouve Marc Germain de derrière les fagots. C'est un super pilote. En cinquième place. Ben oui, on l'a dit tout à l'heure. Vivien Gonnet, toujours en tête dans le dernier tour.
Est-ce qu'il va réussir à aller chercher des points encore importants? Ouais. C'est 30 points là pour Vivien Gonnet. Là, c'est des gros points qui rentrent dans l'escarcelle du pilote de Briançon. Au chalet, le freinage du chalet. Ouais, ça revient, hein. Sylvain Dabert là. Ouais, ça revient, mais il faudrait pas c'est l'arrivée tours, hein. Là. Ouais, là, c'est l'arrivée. Et c'est génial les finales sur 6 tours. C'est bon ça. Hein. Ah, les finales sur 6 tours, c'est encore plus génial. Ah, ça c'est bon. Hein. Que les finales sur 10. Et en plus, Fifi, elle marque des points. En plus, elle marque des points. En attendant, le voilà, le vainqueur. Allez, le vainqueur, Vivien Gonnet. Et sur la route. Wouh, Julien Colomban, Sylvain Dabert, Maxime Emery et Marc Germain, les 5. C'est ça, c'est allez, ça. Après, c'est ça. Il doit y avoir Noël. T'avais un tout petit peu anticipé, non, mais Noël, c'est bon, Noël d'hiver normalement, Noël, oui. Noël. Non, c'est pas Noël, c'est Romain Gioff. Eh ben non. Ah, il a disparu, Noël. Non, non, il est là. Ah, non, il est là. Ouais, 7e, ouais, génial. Kevin Malige, super course aussi. Brancy, Martinez, Wang Chang. Le respect des pilotes, on se serre la main après l'arrivée entre Sylvain Dabert et Maxime Emery et Vivien Gonnet.